Marié au premier regard est de retour. Si cette expérience est difficile pour les candidats, elle l'est encore plus pour l'entourage qui découvre la nouvelle quelques mois à peine avant le mariage. Preuve en image. La saison 7 de Marié au premier regard débarque le 20 mars prochain sur M6. En attendant, la chaîne distille quelques extraits de cette nouvelle saison sur ses réseaux sociaux. Les internautes ont déjà pu découvrir Annabelle, une jeune femme adoptée au parcours de vie exceptionnel. D'autres attendent d'apercevoir le visage du premier couple de même sexe de l'émission. Cette nouvelle édition promet de nombreuses surprises comme l'arrivée d'un nouvel expert pour remplacer Pascal de Souterre. Pour faire patienter les fans, M6 a dévoilé un tout nouvel extrait de son programme avec l'annonce à un proche du mariage. Une réaction qui inquiète la plupart des candidats et qui peut mettre en péril la suite de l'aventure de Marié au premier regard. Une annonce inattendue pour les proches d'en Marié au premier regard. Emmanuel est célibataire et il a décidé de demander à l'émission de lui trouver la femme de sa vie. S'il a déjà connu une belle idylle, qui lui a permis de fonder sa propre famille, il se retrouve aujourd'hui seul. Les équipes de M6 lui ont trouvé une femme compatible avec lui à 81%. Une belle nouvelle qu'il doit désormais annoncer à ses proches. Emmanuel a prétexté le tournage d'un documentaire sur son travail de responsable dans un club de plage pour expliquer les présences des caméras à sa mère. On parlait du sport, de la vie, tout ça. Ils nous ont demandé si on avait des enfants, des compagnes. Je leur ai dit que j'étais célibataire, et du coup, bah je vais me marier, a lâché cash Emmanuel. Ce n'est pas comme ça que j'envisage la rencontre avec quelqu'un. Tu vas te marier. Comment ça, tu vas te marier? A répliqué la mère d'Emmanuel, le sourire bloqué. Il y a un moment, j'ai passé un test pour Marier au premier regard. Je vais me marier à quelqu'un que je ne connais pas, que je n'aille jamais vu. Si est-il dans 3 mois, a expliqué le futur marié. Tu vas te marier là maintenant? Tu arrives à la mairie comme ça là? Ah, si est-il. Waouh, a tenté de répondre la maman, sans trouver les mots. Plus tard, face caméra, elle se confie, ce n'est pas comme ça que j'envisage la rencontre avec quelqu'un. On apprend à se connaître, on apprend à découvrir les personnes. Si est-il une grosse surprise en fait. Je m'y attendais tellement peu. J'ai des frissons. Si est-il vous mon premier amour, toi, mamie et papa, a rassuré Emmanuel, très proche de sa famille, et il a désormais l'aval de sa maman, on le soutiendra, car la seule chose que je désire, si est-il que mon fils soit heureux. Un beau moment en perspective. Tu vas te marier, là, maintenant? Visage effrayé, lorsqu'il annonce à sa mère qu'il va se marier avec une inconnue, elle ne comprend pas sa démarche. Hashtag MAPRE, tous les lundis à 21h10 à partir du 20 mars au pic. Twitter.com/reunmutif, m6@m6/march10/2023. Step up.